Yo les ultras, bien arrivé à Los Angeles. Je suis un peu comme chez moi ici, j'ai l'impression. Toutes les voitures qui passent, elles ont un petit checkpoint avec moi. Attends d'ailleurs lui qui est en train d'arriver. Hey man, never come back in my street man. Fuck you man. What the fuck? Ok, je crois qu'on a déjà des embrouilles les gars. Je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé après, mais avant, je vous montre la voiture. Là, je vous le dis, c'est une vidéo, il n'y a pas de script ni rien, juste je vous fais kiffer, je vous amène avec moi et je vous montre ce que Soul a l'immensité de m'offrir. Petit Lamborghini Urus, messieurs. Hier après-midi, il ne l'a pas conduit, il m'a dit « Oh Yann, tu veux le conduire ?» À votre avis, les gars, j'ai jamais conduit à LA. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui. Ça marche un peu comme le Macan. Genre, tu sais, quand on appuie, ça réagit pas direct, ça tempo. Du coup, t'appuies un peu plus et d'un seul coup, ça fait... C'est juste un délire. Je vais vous faire visiter la maison. Et en suivant, on va aller faire les opening codes, voir un peu ce qu'ils nous ont filé, tout ça et tout. Ok ? Ils ont un peu raté mon visage, mais c'est pas mal. Du coup, on commence avec une petite salle de sport, sympathique, dans le garage. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin en me réveillant. Tu l'as vu, lui ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Vas-y ! Il y a Soul qui dort. Prends ta main, tu la mets bien plate. Tu redescends en pression et tu continues la visite de la maison. Allez, pièce suivante. On arrive dans un salon qui donne une vue qui est exceptionnelle. Vous ne pouvez pas encore la voir avec le contre-jour, mais je vais me régaler à vous la filmer. Petite salle de bain, sympathique. Oh, un showy. Tes mains les tombent. Toujours les gars, toujours de tomber. La petite cuisine qui donne bien. Hier, ça a pété des Ferrero avec une maxi pizza. Ah ouais, votre truc, les gars. Genre, Théma, le nombre de tiroirs. Je vous dis même pas le nombre de temps que j'ai dû foutre. Ah ouais, ça se tire pas, ça se coulisse pas, ça se... T'aurais dû quand même t'en deviner ça ? Est-ce que tu l'aurais pas arraché avant ? That's the question, man. That's the real question. Il y a une petite terrasse, ils sortent de la coulée douce, tranquille. Hamac. Hier soir, il y a moyen que j'ai carrément sauté dans la piscine. Et là, on a vu sur l'immensité de Los Angeles. Là-bas, c'est Downtown. C'est là où il y a les copains Los Plucos Hermanos, le Skyros, le Mabzu et tout. Je vous rappelle les gars que si j'ai été invité ici, c'est uniquement grâce à Soul dans cet endroit-là, dans cette maison. Sinon, c'est Acti qui a payé le billet, tu vois. Soul, les gars, il m'a mis tellement bien. Je vous le dis, j'ai jamais vu un mec mettre ses potes aussi bien. C'est n'importe quoi. T'es mal l'écran extérieur. Il y a un monde, il a une PlayStation là qui devrait arriver. On branche ça là, ça va faire du gros écran scindé toute la nuit. Parce qu'aujourd'hui en soi, j'ai pas grand chose à faire. J'ai un petit shooting photo dans l'après-midi avec des formulaires à remplir et c'est tout. Ah ouais ? Regardez, ça c'est le truc que j'ai reçu de code. On va déballer ça juste après les gars. Mais juste avant, je vous emmène avec moi pour vous montrer un autre truc. Je sais pas si vous voyez un truc, ça me nique les yeux. C'est les hauteurs de LA les gars. C'est juste un truc de gros malade mental. En gros là on est dans le quartier où a été tournée la série Le Prince de Bel-Air. Et en gros plus tu montes dans ce quartier, plus les maisons elles valent de la thune de ouf. Là on est dans une maison qui vaut 17 M. C'est un délire. Tenez. Oh, il y a des étoiles. Il y a un rétroprojecteur là, donc si on branche la play là, en soi, on peut jouer. La piscine. Wesh, pourquoi il y a un verre pété ? Qu'est-ce qu'on a fait hier soir ? Les gars, on va donc dès maintenant attaquer l'opening des objets que Call of Duty nous ont offert. Les objets que donne Code. C'est trop quali, trop stylé, de ce que j'ai vu. Déjà, on a pu customiser une veste rien que nous. Derrière, il y a eu une montre. Enfin, bref, j'ai pas tout vu. J'ai gardé le sac fermé pour vous montrer un maximum ensemble. Et c'est maintenant.
Les gars, désolé, j'ai reçu une vidéo de bébé qui était sur la table allongée et qui faisait un caca explosif. C'est quelque chose qui ne se rate pas. Cher Ultra, cher Ultrat, bienvenue pour ce petit opening. En fait, je vais même rehausser, je pense que ce sera mieux. En fait, j'ai pas rehaussé, Didier. Nous revoici, les gars, pour un petit opening Call of Duty. Oh, Skyros, sors de ce corps. Non, je sortirai pas. Je mettrai deux pétis là et j'avancerai accroupi. Là, chaud, je te rien. Oh, merci Sky, je t'aime. Mec, trop d'infos dans ma tête. Genre ma manette et ma assist, problème. Tous les mecs que j'aime quand même bien, ils jouent manette. J'ai genre me mettre à l'évidence. Peut-être même que ce soir, je vais devoir jouer manette. Les gars, pour la première fois lors d'un code next, j'ai amené mon clavier souris tapis. Pourquoi? Parce que cette année, le premier qui va gagner une game de Warzone, c'est moi. Je vais être le premier à gagner la première game lors de la bêta sur Warzone. Ça va être mon objectif. Donc, je vous conseille de continuer de suivre cette petite série de vidéos YouTube. Tout à l'heure, on va partir au stand de tir avec Sky. Et je pense clairement que ce sera le prochain vlog, les gars. Je commence mon opening avec ça. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de tourner. On a une petite montre. En fait, on avait le choix entre deux montres, les gars. Celle-ci est clairement très, très stylée. Bracelet en cuir, bien fini. Attends, je te montre. C'est stylé en vrai, hein. On avait le choix entre une grise, t'es un peu en mode style Rolex, ou celle-là qui faisait un peu plus moderne. Moi, je préfère les trucs modernes plutôt que les vieilles montres en mode Rolex ou quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes plutôt team Rolex ou team truc un peu plus moderne, un peu plus stylé? En suivant, ça c'est insane. Ils m'ont demandé la marque de mon téléphone. Ils m'ont filé ce petit truc adaptatif sur téléphone. En gros, t'as juste à foutre ton téléphone ici et tu peux jouer manette avec téléphone. Je pense que pour du Warzone mobile, c'est le genre de truc qui peut être complètement cheaté, voire abusé. C'est pas le genre de truc que je pourrais vous faire gagner sur Vinted la prochaine fois? En vrai de vrai. Vous me dites. Pareil, je lirai les commentaires. Vous me direz, les gars. Alors là, on a le singe. Alors moi, le singe, ça m'évoque de bons souvenirs. Parce que je me souviens que quand on le balançait ce truc-là et que ça attirait tous les zombies et qu'après ça pétait. Je sais pas si je vais dire une bêtise ou pas. Je crois que c'est dans Black Ops 1 sur Kino Der Toten, tu sais la map de zombies où tu pouvais avoir le pistolet laser et la souffleuse. En gros, tu l'envoyais, ça prenait tous les trucs, t'envoyais un coup de souffleuse, tu tournais un peu avec l'estrade juste avant de monter sur la hauteur là, enfin. Genre tu prenais une sorte d'ascenseur, téléporté sur la hauteur, tu les fumais tous d'en bas, tu redescendais, tu faisais des tours. Bref, j'ai tryhard le zombie fut un temps, sur manette. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore adulte, j'étais qu'un enfant. Je saisissais pas l'importance du clavier souris, du flick shot, de la sensation de feeling. Objet suivant. J'ai un sac qui est rempli de chaparderies. Déjà le sac, la matière est incroyable les gars. Genre vraiment, tu sais, c'est une sorte de matière classe. Genre c'est un cuir tout doux. C'est Activision qui a écrit ça. You know my name. You know my fucking name. You know my name. I'm the first champion. I'm the first WSOW champion man. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai récupéré mes affaires. Ok, perfect. So I'm gonna send you over to Christina and I'm gonna find the Ils m'ont regardé. Ils se sont dit, il est un peu con. Qu'a-t-on là-dedans? On part avec un hoodie. Si j'ouvre tout, c'est une erreur. Bah, en même temps, on est là pour un opening. Si j'ouvre pas, je suis une chouin. Allez, hop. Bah, très sympa. Très sympa. On part sur un petit hoodie. Très sympathique. Le tout, évidemment, à ma taille, vu qu'ils ont déjà demandé quelle taille on faisait, XL, trucs, pantalons, chaussures, donc je sens que je vais découvrir pas mal de trucs là-dedans. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, stylé. La mat... En fait, celui-ci, c'est la matière. Regardez, il est fourré. C'est le genre de truc, je pense, t'as bien chaud avec. Et il est très joli. La Fashion Week. Ouh. Objet suivant. Ah, on a le pantalon qui va avec. On est sur du survêt classique de chez classique. Ouh. Alors celui-là c'est le short avec le logo juste là qui va avec l'autre truc. Et honnêtement, bah, la qualité elle tue. C'est pas un truc d'enculé, je vous le dis. Essayez-moi tirer deux fois pour la gripper. Apparemment c'est un truc les gars qui sous sur le téléphone.
ça le fait sauter. Tiens, je te montre la consigne pour que tu piges ce que je veux dire. Je sais pas quoi en penser. Ça, les gars, oh mon Dieu. Ça, c'est pour avoir des e-pouces, pour avoir des pouces connectés, des pouces en maille d'abeille, pour pouvoir cliquer encore plus rapidement avec ta manette et avec ton téléphone. C'est tout simplement effrayant, c'est la nouvelle technologie d'Aim Assist. Je vous le montre, les gars. So freaking crazy, man. What the fuck? Ok, ok, ok. Les gars, je viens de recevoir la maquette. What the fuck? C'est incroyable! C'est incroyable! Regardez l'intérieur, il y a... Il n'y a pas de CD. Ah John, il n'y a pas de CD. Vous n'aurez pas pu m'en passer un, moi? Ça vient assister au tournage en off. Regardez-le. Est-ce qu'il est pas bien, cet homme? Comment on pourrait te qualifier, John? Manager Soul King? Aide de tous les jours? Couteau suisse. Couteau suisse? Ouais. Je vous le dis, les gars, c'est un couteau suisse de ouf, le John. Il m'a couteau suissé hier soir, il a pré-shot une pizza. Ce matin, il a pré-shot Dieu sait combien de choses. Une tarte aux fraises, d'ailleurs. Vous savez ce que ça signifie. John, il s'occupe de pré-shot, ce dont Soul, et du coup, moi, on a besoin là sur place ou quoi que ce soit, et c'est plaisant. Tiens, on a reçu ce petit t-shirt. Bonne qualité, l'arrière est stylé. J'imagine que ça va avec l'ensemble qu'on a déjà unbox tout à l'heure. J'aime bien, j'aime bien. On vient de faire l'opening total. Mais il reste un dernier truc. Je vous montre ça tout de suite. Les gars, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis Ghost. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Ghost en premier alors qu'apparemment c'est un des Call of Duty qui a été le plus nul? Mais tout simplement parce que sa photo est jolie. Ils ont mis une jolie photo sur un mauvais jeu. En suivant, Warzone 1, le meilleur pour le moment. Vu que c'est clairement celui qu'on a gagné. Il y avait du mouvement, il y avait du shoot, il y avait tout ce qu'on aime. Sur les côtés, j'ai foutu des petits trucs de sergent. Donc là, on peut voir que je suis sergent 4 barres, mais aussi sergent 3 barres. Ce qui fait 4 x 3, 12. Je suis carrément un haut gradé, un des plus hauts gradés qu'on puisse avoir. Qu'est-ce que j'ai fait en suivant? J'ai mis un truc dans le dos. J'ai rien foutu dans le dos, les gars. C'est juste une veste. Ah si, regarde. J'ai mis le petit truc MW3 qui est à l'envers. Comme ça, ça fait tout simplement 3WM. Et ça, c'est à réfléchir, les gars. Est-ce qu'il y a un message à ça? Ou est-ce que je suis juste un connard qui a fait une veste à la va-vite? À réfléchir. Les Ultras, c'était le petit opening de ce Code Next 2023 où je fus invité par Activision. Et dans cette magnifique maison où je remercierai jamais assez Soul de me faire vivre tout ça. Je vous tiens au courant, les stories Insta, il y a pas mal de petites chaparderies dessus, donc je vous conseille d'aller suivre Instagram, les gars. Et pour les plus curieux, il y aura une vidéo qui va popper tous les jours. Là, tout à l'heure, je vais au stand de tir, mais avec les 9 heures de décalage, vous la verrez que demain. Donc, je vous donne rendez-vous demain sur YouTube pour le stand de tir. Et là, j'espère que cette vidéo, vous avez déjà la kiffé. Donc, pensez à liker, vous abonner. Je vous fais de gros bisous. On se recapte bientôt. Ultra!